je bouge une jambe droite, un bras droit, un petit pouce, une connerie, j'ai pas d'autonomie, quoi. Donc, je peux pas m'habiller, je peux rien faire. Tu peux renvoyer les balles de ping-pong. Le comportement de M. Blanchet semble poser beaucoup de problèmes. Il semble souhaitable que M. Blanchet puisse bénéficier d'une hospitalisation à nouveau. C'est les voisins qui portent plainte. Les voisins, disons, en tout cas, ont dit qu'il y avait des difficultés dans l'appartement. Vous êtes Madame Catherine Bord et vous vous destinez donc à donner un rein à votre mari. Une décision qui a été prise en début d'année suite à l'évolution de sa maladie. Je me suis dit que pourquoi pas amener un rayon de soleil si on peut l'amener. Okay. Ouais. Voilà, très bien. Ah, tu verras, je pense qu'on s'en souvient toute sa vie de son premier bébé. C'est génial. Ouf, je crois que j'ai aussi chaud que vous. Ouais, j'ai chaud. Ah oui, moi j'ai peur de la violence. Déjà parce que je me suis fait agresser. Ici, déjà, quand ça gueule, moi je vais dans ma chambre parce que je ne supporte pas. Faut pas gâcher ta vie. T'es jeune, t'es jolie. Tu verras quand t'auras trouvé un petit copain, un truc comme ça, quand on a vu. Bon, donc moi j'ai des bonnes nouvelles. Donc on a eu des résultats donc, de la biopsie des petites lésions qui restaient. Et comme on le pensait, la maladie elle est toute partie. Donc on est très content, Bastien. Voilà. On va fêter ça avec du champagne. Ouais. Les hôpitaux de Nantes, bonjour, j'écoute. C'est pour la fièvre jaune. Alors, il faut téléphoner que le matin pour les rendez-vous. Les hôpitaux de Nantes, bonjour. Et l'après-midi, c'est les vaccinations. Mais c'est très long. Hein. Les infirmières, ne quittez pas. Au revoir. C'est une personne qui s'occupe de quoi? Allô? Oui, le standard des hôpitaux, bonjour. Ah, le BIP n'a pas répondu. Vous cherchez à joindre Monsieur Viner? Sur quel site? Hôtel Dieu? Faïencerie? Hôpital Nord? Standard de l'hôpital de Nantes. Ça passe sur rendez-vous. Je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur. Oui, le standard des hôpitaux, bonjour. Bonjour. Ne quittez pas, vous êtes toujours avec moi au standard. Tu la gardes ou... Bah oui, mais pourquoi je la garderais pas? Bah, c'est... on sait pas. Non, bah moi... Si, je garde, je garde. Ça me coûte rien, je garde. 6 et 4, 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, Bastien. Caisse de communauté. Payé à l'hôpital, bah super, je suis à l'hôpital, 100 euros. Ça devrait être mes parents qui auraient ça. Allez, 100 euros, mon pauvre garçon. C'est énervant l'hôpital, on est obligé de rester, on est branché, en plus on a un cadet, c'est bon. Fais attention de pas tomber. Parce que quand même, on aurait dû se méfier un petit peu. Oui, mais en même temps, ils pensaient vraiment que c'était terminé, tu vois. Bastien, moi j'avais un petit peu de doute, mais... Je me disais qu'avec l'examen qui fixait au TEP, c'était quand même pas trop normal. Je pensais que... Je pensais quand tu as eu ton prélèvement la dernière fois en chirurgie, là, que tu étais allée en deuxième, je pensais vraiment qu'à ce moment-là, on allait me dire il faut continuer un petit peu parce que c'est pas encore suffisant. Toi. Là, à ce moment-là, j'étais prête à entendre que... On allait continuer. Ceci dit, j'étais contente. Je préférais entendre que c'était terminé. Mais si on m'avait dit à ce moment-là, c'est pas suffisant, on va encore continuer parce qu'il en reste un tout petit peu, ben, tu vois, on aurait... J'aurais été moins déçue, quoi, tu vois, parce que je m'étais préparée à l'entendre.
Alors que la dernière fois, on nous avait dit reprenez une vie normale. On l'avait vite reprise, notre vie normale, hein, monsieur. Mais c'est pas grave, ça nous a permis de fêter ton anniversaire à l'extérieur. Moi, tout de suite. À moi de jouer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Boulevard de la Villette. Il y a personne qui l'a ? Boulevard de la Villette. Alors Bastien, c'est un lymphoblaste de Burkitt stade 3 qui rechute de façon précoce. Il a eu donc sa cure de chimiothérapie qui s'est terminée le 11 et il est aussi dans le protocole MAPTERA. Il aura une injection de MAPTERA le 15. Il a un traitement pour la douleur si besoin. Donc je suis la même en face de parents, seulement j'ai pas de carte, donc j'ai sonné. Ouais, d'accord, ok, pas de problème. Bon courage. Attends, tu fais ? Je prépare ce qu'il faut pour te laver, Bastien. Le bain jaune, c'est la limite. On ne peut pas passer avec les chaussures. Bon. Passer cette limite, il faut avoir mis les chaussures, le bonnet, le masque, le vêtement vert comme bleu. Hein, c'est pour ça qu'on te dira que ce n'est pas possible que tu viennes voir Bastien. Hein, d'accord ? Descends le masque, enlève tes lunettes, descends le masque et toi tu peins ce que tu veux. Attends, je prépare tout et puis. Ne pleure pas, Bastien, mais écoute. Tu vois, parce qu'il y a un petit banc entre nous, hein, oui, qu'est-ce qui va changer ce petit banc-là, ouais. Hein, qu'est-ce que tu crois qui va changer ce petit banc-là, hein? Ça va pas nous empêcher d'être avec toi tout le temps. Petit bout, je t'aime. T'inquiète pas. Okay. Tu vas venir avec moi, on va faire ta petite douche, hein, puis il y a peut-être l'élève aussi qui va venir. Suis-la, mon chéri, suis-la, mon petit père. Voilà. Oh, c'est dur, hein. Mais tu sais, après, Bastien, quand il sera dans sa chambre, il pleurera plus comme ça. Hein. Ouais. Là, il est inquiet parce qu'il ne sait pas où il va, il ne se rend pas bien compte, c'est nouveau. Ça l'impressionne un petit peu. Hein, et il se rend bien compte qu'il ne pourra plus te voir tous les jours aussi. Ouais. Hein. Bah oui, mon petit bonhomme. Eh oui. Dur, Bastien. Ouais, bah là, il a peur. Hein. C'est... Ouais, parce qu'il a peur, c'est parce qu'ils se rendent bien compte qu'on va être moins présent. Regardez quoi, il est tout beau. C'est bien grand, hein. Tu peux pas parce que normalement c'est jusqu'ici, mais là, t'es vraiment tout propre, donc on fait, il vaut mieux qu'on la fasse. Elle va revenir te faire un bisou tout à l'heure. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, on y va. Parce que si on avait laissé tout, à mon avis, ça aurait été trop long. Bonjour. Hop là. Et c'est celle-là. Ah, tu vois, on appuie sur ce bouton-là. Ah, tu connais déjà. Alors. Tu peux t'asseoir sur le lit. Oh bah oui, il y en a beaucoup là. Hein. C'est pas les mêmes qu'à côté. Hein. Ah, c'est mon nounou. C'est à toi ? Bah tiens. Eh, il a. J'espère que maman, elle n'a pas oublié de prendre ses habits. Si, si, si. Vous allez venir avec moi. On va aller voir ça, on n'a pas trouvé. Quelqu'un lui a pété sa tête. Il était pas comme ça avant ? Non. Ah. La vache, elle lui a pas fait du bien alors. Il était trop secoué. Cassé la tête. Tes deux bras là. Tu les travailles aussi. Entre, mademoiselle. Merci, madame. T'es encore quand même dans un âge de fertilité et bon, il faut être prudent effectivement au niveau des rapports sexuels. Ça, on n'en avait pas parlé jusque-là. C'est quelque chose que tu n'as jamais évoqué ? Non, mais au niveau rapport sexuel, s'il y a un rapport sexuel, ce serait avec
préservatif, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est quelque chose que tu as déjà mis en pratique ou pas? Au début, mais maintenant, non. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il est à moitié infirmier aussi, et il y a des choses qui le bloquent quand même, quelque part. Quand tu dis à moitié infirmier, c'est pourquoi? Ben, c'est qu'il fait beaucoup de choses quand même. Donc, il fait mes sondages. S'il y a une perte de sel ou quoi que ce soit, c'est quand même lui qui me nettoie. C'est lui qui me déshabille. Il t'a parlé de phénomène de blocage, de quelque chose? Toi, tu as eu une envie, des demandes? Pas de blocage, mais c'est qu'il n'a pas l'envie parce que il me connaît par cœur, quoi, quelque part. Et il m'a dit, il faut me laisser le temps, quoi. Donc, c'est ce qu'il t'a dit? Oui. Et comment tu vis ça, toi? Mal. Comme je dis, des fois, fais-moi un câlin. Et puis après, il me dit, bah, allez, bonne nuit, à demain, dors bien. Et voilà, quoi. Moi, je sais pas comment tu envisages ta vie et de quelle façon, là. Avec Christophe? Quels sont les projets que vous faites? Rien, il veut voir l'évolution pour l'instant. Mais si par exemple il n'y avait pas d'évolution? Alors là, je n'en sais rien du tout. Je pense que c'est Christophe qui a frappé. Quoi? Je pense que c'est Christophe qui a frappé. Ah bon? Tu veux qu'on le fasse rentrer? Oui, bien sûr. Bon. Entrez! Monsieur Christophe. Désolé. Vous êtes très en retard. Je suis très en retard, je sais. C'est pas bien du tout. Bonjour. Ça va? Oui. On va prendre les problèmes un par un. Orlane, elle a des angoisses épouvantables et qu'elle n'exprime pas. Mm-hmm. Mais la première, c'est de se dire, si je reste comme ça, Christophe restera pas avec moi. En gros, je peux résumer ça. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez comme ça, là, quand je dis ça? Je la soutiens, je crois toujours en notre couple. Il faudrait qu'on essaye de construire quelque chose, quoi. D'accord. Parce que bon, là actuellement, on vit pas vraiment ensemble, on peut pas se... Est-ce que ça, vous lui aviez dit? Je lui avais dit, ben, pour le moment, j'ai toujours dit que je serais là, que je l'attendrais, et voilà. Mais je crois que c'est de ça dont elle a besoin. Que vous en parliez tous les deux. L'intervention est prévue pour demain. On commence par votre épouse, bien sûr, par le donneur. Mais vous serez appelé avant. Ouais. Pour que vous soyez anesthésié, préparé, ouais. Pour que vous soyez prêt avant qu'on sectionne, qu'on coupe l'artère et la veine du greffon. Souvent, avec les collègues, on se dit par rapport à d'autres interventions. Est-ce qu'on accepterait ou alors on dirait oh non, parce qu'on sait bien comment ça se passe. C'est lié sûrement à des souffrances qu'il faut endurer, mais dans le fond, si on n'avait pas d'autre choix. Quand on vit là, oui, ouais. C'est ça, quand on est dans la situation, on réagit différemment. Tout hein. À fait. Bon, ça y est, hein, je les ai tous faits, je n'en ai pas oublié. Hein. Ça a l'air d'être beau. Je crois que c'est bon. Ouais. J'ai trouvé un raccourci.
Ah, t'as trouvé un raccourci? Je sais pas si je vais pouvoir le reprendre dans l'autre sens, mais... T'es arrivé au bout du couloir par l'ascenseur, non? Non, j'ai traversé plein de couloirs, là, puis j'ai pris un truc, on arrive directement à l'inverse du couloir où on est arrivé. Ça va? Bah ouais. Demain, un grand jour. Et puis après-demain, ce sera encore mieux. Ouais, de toute façon, ce que je disais, le plus dur chemin, on l'a fait avant, c'est pas maintenant. Ah bah oui, c'est sûr, je pense. Surtout toi, c'est mon dire. À la limite, c'est toi qui... Ouais, mais c'est toi qui as fait, je pense, le plus dur. Bah, je sais pas. Tu fais pas ça comme ça, au hasard, parce que t'as envie de donner trois. Tu le fais aussi parce que derrière, il y a des sentiments et... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est... quand tu donnes, c'est pas compliqué. Ah non, c'est pas compliqué, non. C'est quand même une sacrée démarche à faire. Non. Puis demain, ça sera plus le mien, ça sera le tien. Non, un petit bout de rein, ouais. Dans mon ventre à moi. C'est vrai que c'est... Allez, on y va, on y croit. Tu vas réintégrer ton appartement. Et donc, viens me raconter. Oui, t'as un ascenseur, lui. Ma vie. Hein? Mon petit cœur. Bah, au téléphone demain matin. Ouais. Et puis, bah, à demain après-midi, au réveil. Juste la porte ici. Voilà, allez-y, monsieur. Vous avez un petit placard là où vous pouvez mettre toutes vos petites affaires. Ça va? Ça vous fait mal? Petit pansement. S'il y a le moindre souci, faut pas hésiter à nous appeler, hein. D'accord? On est juste à côté, hein. Ça va aller, Ludivine? Ça va aller. Je vais en face et puis je t'attends. Voilà. Tu veux prendre le bébé? Ben, je sais pas. J'emmène là-bas. Je te mets juste ça pour que ça visse pas. Écarte tes bras. Voilà, et maintenant tu peux prendre le champ stérile et après tu touches plus à rien. Tu fais attention quand tu le prends et quand tu marches, tu le poses tranquillement là-bas et je vais venir avec toi. Hein? J'espère qu'elle va me donner doucement quand même. Elle va te le donner doucement, t'inquiète pas. Petite loutre. Bon, tu sais qu'elle n'est pas si grosse que ça, cette loutre. Hein? C'est un beau bébé. Quand même des belles épaules. Hein? Là, là. Tenté. Ouais. Bizarre, hein? Tenté. Tu l'as? Ouais. Attention. T'es coincé dans la posture électrique, attention. Bon, tu vas. Tout tranquille, tu marches. Tout va bien. Hop, on va prendre le carton. Là. Allez. Attends, je vais m'occuper si tu veux. Tiens. Allez, c'est un beau bébé, hein. C'est une contraction, là, encore? On va attendre. Est-ce que vous avez envie de pousser, madame? Ça vous fait mal en bas? Oui? Il arrive, votre bébé. Isabelle, ça pousse? Elle pousse? Oui. Fermez la bouche quand vous poussez. Écartez bien vos coudes. Écartez bien les coudes. Attends, poussez-le, votre bébé. Allez-y. Vous faites mal! Non, allez. C'est votre bébé, là, qui descend. Non, c'est vous qui faites mal avec votre doigt! Poussez fort, poussez en bas, madame.
Allez, on touche plus, vous poussez par contre, hein. Allez, vous poussez fort en bas. Je pousse. Allez-y encore. Allez, là, on reprend. Allez, on y va. Non, je peux plus, je vais mourir. Non. Maman. Allez, tout va bien. Maman. Allez, poussez fort. Je peux plus. On voit sa tête, là. Il arrive. Il y a ses petits cheveux qui sont là. Aidez-le à sortir une fois. Oh, bah non, on va rien faire. C'est vous qui allez pousser. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive tout doucement, votre bébé. Soufflez bien. Allez, on va essayer de faire tout doucement. C'est pas très agile. Ah bon, non, on va pas le tirer. Il sort tout seul. Mais il arrive, là. Il sort tout seul, votre bébé. Là, on va rien faire. Hein. C'est bien ce que vous faites, madame. Hein. Faut continuer comme ça. Ah, hein. Non. Soufflez, madame. Soufflez. Voilà, soufflez. Pas. Non. Ne paniquez pas. Vous soufflez bien. Votre bébé arrive, madame. C'est bientôt terminé. Hein? On dégage sa petite tête. Tu l'attrapes? Ouais. Ça y est. Alors, allez. Oh, bonjour maman, bonjour papa. Alors, on va nettoyer un tout petit peu. Allez. Oh, bah c'est bien ça. Écoutez là. Ouais, voilà. Super. Travail, hein. Bonjour. Bonjour papa. Papa est ému, hein. C'est normal, hein. Regardez-la comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Elle est plus petite que les autres, hein. Oh, maman, comme tu es belle. Ah, maman, elle en a marre, maman. Hein. C'est à toi. Plus 4 cartes. Et je demande du bleu. Je t'ai eu là. Plus 2 cartes. T'abuses. Une an. Merde, je suis bien emmerdée maintenant. Oh non. J'ai qui jouer. À toi. Déjà, moralement, ça va mieux. Un peu mieux qu'hier. Faut le dire vite. De toute façon, faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as porté plainte, tu vois la psy pour ça. Faut vraiment que t'ailles jusqu'au bout. Au moins, tu te diras, ma parole a été reconnue, j'ai gagné quelque chose, je suis forte. Ouais. Tu te diras, t'es pas une bonne à rien. Parce que si tu le fais pas, eh ben, tu le regretteras toute ta vie. Et tu pourras jamais vivre avec un garçon. J'ai une paire bleue de mec. Moi aussi, j'ai une paire bleue de mec. J'ai un petit copain, mais tu vois, j'étais à la plage, je me suis baignée en short. Hein. J'y ai fait croire que mon maillot de bain était trop petit. Je me suis manchée, j'étais en train de me baigner en short. Pourtant, il est gentil, tu vois, il est bien avec moi et tout, mais... il dort pas chez moi parce que je veux pas. Il m'a invité chez lui à dormir plusieurs fois, mais je trouve une excuse. Mais je suis super bien avec lui, tu vois, dans ses bras et tout, je suis bien. Mais je suis pas prête. Il va me falloir du temps, mais je suis pas prête. Ça, il sait, parce qu'il m'a dit qu'il me toucherait pas quand il dormirait avec moi, mais j'ai tellement peur que je veux pas. Alors que je sais, il le ferait pas. Ça, j'ai tout à fait confiance en lui. Mais ben, j'ai une peur bleue. C'est pas évident. Hein. Mais t'as pas à avoir peur, il faut le faire le procès. Parce qu'après, tu te sentiras vachement délivré. Regarde-moi, je faisais que des TS, des tentatives de suicide. Et là, depuis 4 mois, tu verrais comment je revis. Ouais. Je vis bien maintenant, j'ai tout arrêté. Hein. Ouais. Chez moi, je prends pas mon traitement. C'est pas good. Je prends pas de tertian, ça fait à peu près 4 mois que j'en prends plus. Ah ouais, c'est vraiment bien, quoi. Maintenant, le soir, je peux sortir jusqu'à 8-9 heures, sans avoir peur qu'on me suit. Ah ouais. Et puis mon projet, c'est de travailler dans un milieu protégé, à mi-temps au début, puis après à temps plein, et refaire ma vie, quoi. Faire ma vie avec Laurent si ça marche, avoir un ou deux enfants, passer mon permis, toutes ces choses-là, voyager.
Voilà ce que. Maintenant, c'est ce que j'ai envie maintenant, moi. Toi, ton but, c'est pas ça pour l'instant. Mais tu verras quand ton procès sera passé, comment que tu seras bien. Tu diras la même chose que moi, je suis sûre. On en reparlera quand ton procès sera passé. Faut que tu te battes. De toute façon, le procès, il se fera que je sois là ou que je sois pas là. Non, il se fera pas. Si t'es pas là, il se fera pas. Si, il se fera. Il se fera, mais faut que tu sois là quand même. Ça sert à rien de. Faut que tu ouais, aies ton mot à dire. J'en ai marre de. Faut que tu prennes ton courage à deux mains et que t'insistes. Je suis sûre que tu peux y arriver. Ça te fait du bien de parler? Non, mais tu me rassures parce que je connais ces personnes qui. Bah, moi, je suis passée par là. Qui est le procès. Oui. Tiens. Puis moi, c'est pas vieux, il y a que 4 mois. La dialyse qui a pas bien marché. Ah. Et puis y a pas des crampes. On verra. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, donc on voit le rein thorax ici. Voilà, donc l'urètre est sectionné. Rotule, hein, pour voir. Oui. Maintenant, je vais lier l'artère. Vous avez quelque chose de particulier à me demander avant de vous entendre? Ben, si ma femme va bien. Oui, oui, ça se bien. Passe très bien. Bon, ben alors, allez. On va continuer. Vous vous retrouverez tout à l'heure dans la salle de réveil, oui, on vous oui. mettra l'un à côté de l'autre. Oui, normalement, hein, c'est d'accord. Pas une bonne fois. Allez, à tout à l'heure. Respirez bien. Gelé. Bon, ciseau droit, s'il te plaît. On va recouper la veine, bien droite. Les secteurs, plaque. Allez, le greffon. Ok. Alors, regarde, il est rose comme tout. Et là, maintenant, tu appuies sur le rein comme ça. Voilà, parfait. Donc le rein d'en face. Bonjour. Les singes. Bonjour. Ouais. Ça va? Bien réveillé? Vous avez mal? Pas trop. Pas trop? Bon. Merci, c'est terminé. Ah.
s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Hein. Pour Jean-Luc aussi. Oui, oui. Ça y est, c'est fini, là. Donc, dans 10 minutes, un quart d'heure, peut-être il viendra à côté de vous. Hein? Okay. Vous avez pas mal dans le ventre. Un petit peu, mais c'est très supportable. D'accord. Très bien. Moi, je repasserai tout à l'heure vous voir, hein, dans l'après-midi. Tu les amènes extubés, on les amène extubés, hein. Super. Vous m'entendez? Oui, il y a votre femme à côté de vous, là. Ça va très bien, mon cœur. Je sais comment faire. Et le repas du soir, faire la vaisselle. Les mégots. Pourquoi? Bah parce que j'ai plus de clopes. T'en as pas assez? Non. Attends, j'ai vidé ton cendrier. Je ferai ta vaisselle tout à l'heure. Je pourrais la faire si tu veux. Garde ces assiettes-là. Comme c'est hyper crade. Moi, j'étais comme toi avant. Bien alors, attends. T'as vu? C'est la croix dont je parlais à l'hôpital. Elle est entièrement en or. Tout en or. Elle est plaquée or tout en bronze. C'est la seule qui va rester en 2007. Toutes les autres vont être détruites. Faudrait que tu jettes les poubelles. Ouais. On n'avance pas ce matin. On n'avance pas. On n'avance pas. Ah, tu me réchauffes. Ah, mon amoureux. Mon amoureux. Comme il est mignon. Comme... Tu veux qu'on fasse quoi aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais pas? On s'est connus à l'hôpital, tu te souviens? Ouais. Et maintenant, on est ensemble. Ouais. Pour l'éternité. Bah, je sais pas si ça sera pour l'éternité, mais... Mon papa, il va revenir, mon papa. Jean va revenir. Mais il est mort. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais de la résurrection? Tu me fais du bien. Qu'est-ce qui te fait peur? Bah, l'homosexualité. Pourquoi ça te fait peur? Tu me réchauffes, là, ça me fait du bien. Mmh. Parce que des fois, j'ai envie d'avoir une femme et des fois, j'ai peur de te perdre aussi. Tu as peur de me perdre? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu as peur de me perdre? Pourquoi tu as peur? Bah, dis-moi. Bah parce que t'as comme un pouvoir sur moi, enfin je sais pas. Je... Un pouvoir? Ouais. Peut-être. Un pouvoir de séduction? Non, sûrement pas. Il y a des mecs qui sont mieux que moi. Alors d'où ça vient? Bah je sais pas. Faut pas se poser de questions, moi. Ouais. Hein? Je suis bien. Des fois, j'ai peur de toi. Mais non, il faut pas. Parce que t'es entre la haine et l'amour, des fois. La haine et l'amour?
Et c'est quoi un couple? Ça se dispute des fois. Ouais, mais quand je te dis, je me dispute avec toi ou que je refuse tes avances. Oui, eh ben. Tu te mets dans une colère noire. Bah oui. C'est vrai, j'ai tort. Et tu deviens méchant, et... mais t'as peut-être raison, parce que moi, je suis un peu perdu, quelqu'un de perdu, quoi. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Non, je suis un peu caractériel, je suis comme toi. Ouais. Allez, redresse en attendant. Allez. Souvent ça d'avoir des cauchemars. Oui, des bons. Pas des cauchemars, mais des crises d'angoisse comme vous avez fait là. Oui, mais là, franchement, mon mari m'a réveillée. Heureusement, il m'a secoué. Je pouvais respirer. Plus ça allait, moi je pouvais respirer. Et vous, il y avait la panique qui vous envahissait complètement. Mmh. Donc là, ce matin, ça allait pas du tout. Ah, hein. Non, ça allait pas du tout. Pas du tout. Et maintenant ça va mieux, mais je me sens fatiguée. Je suis fatiguée quand même. Hein. Très, très fatiguée. Bon. D'accord. D'ailleurs, tous les jours, je suis fatiguée. Et en ce moment, vous avez plus de soucis que d'habitude? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a un enfant handicapé, c'est lui qui me travaille beaucoup, vous voyez. Alors, Il est à la maison? Non, il est à Bougnay. Il est en institut? Oui, j'ai confiance en eux pourtant. Mais enfin, c'est un enfant. Bon, allez, on attend que le docteur Daniel nous envoie là, cet électrocardiogramme, qu'on puisse vous libérer. D'accord. Bon, elle a fait une grosse crise d'angoisse, alors? Ah, mais depuis quelques temps que ça dure, ça, hein. Depuis quelque temps, ça s'aggrave, c'est aussi. Oui, ce que vous voulez voir avec un gosse handicapé qui a 42 ans maintenant, ça fait 42 ans de malheur, de souffrance. Dites donc, point de vue mémoire, il n'y a pas de problème. Hein. Si je perds la tête, je demande toujours quel jour qu'on est. Ben, quel jour qu'on est, justement? Je ne sais pas. On est en quel mois et en quelle année? Oh ben, on est en... Je sais plus. Alors, oui. On est au mois de... On est en quelle année? Qui c'est le président de la République? Et on est où ici précisément, madame? Ah ben on est là, à l'hôpital. Ouais? Quel hôpital? Hein? Je sais plus. Et ça lui arrive de répéter plusieurs fois la même chose en ayant oublié qu'elle l'a dit? Ah oui. Mais ça doit la travailler aussi, ses problèmes de mémoire. Mon mari vous se des fois, il dit, oh, mais je viens de te le dire. Bon, ben, je m'en rappelais plus. J'ai dit, je fais pas exprès. On devient ma boule tous les deux. Pour l'angoisse, il faudrait peut-être commencer un traitement tranquillisant un peu, qu'elle refasse pas trop de crises d'angoisse comme ça. Moi, j'ai pas envie de commencer ce traitement parce que je la reverrai pas, votre femme. Mmh. Mais on va passer un coup de fil au docteur Ogiso. Allez, au revoir, messieurs, dames. Comment ta pointe de pied maintenant? Ok, tu avances le genou, doucement, et tu tends. En même temps, tout ça. Et ramène ta pointe de pied. Et tu tends tout droit en arrière. Allez, c'est parti, ici, tu contractes. Allez. Tu plies tranquillement, sans avancer le genou. Tu plies ton genou encore. Tu plies. Allez, plie. Et là? Encore. Ouais, tu plies ta hanche, tu tends ton genou en même temps et tu remontes ta pointe de pied. Allez, vas-y. Ok. Tu balances tout avant, tu te penches vers moi. Allez, 1, 2, 3. Allez, redresse-toi. Ici, tu tends. Redresse-toi. Pousse sur tes fesses. Voilà. Voilà, essaye de te détendre en haut. Voilà, on n'est pas en slow, mais. Voilà. Pas loin. Okay. À droite, Orlane, allez, à droite. Attention à droite, là, c'est bien. Pousse, voilà, regarde. Et serre les fesses, là. Cherche ton équilibre. Bah, c'est ce que l'ordre de faire. Cherche ton équilibre, là, au bassin. Détends-toi en haut, détends-toi. Lâche un bras. Oh voilà. Oh là, c'est lâcher pour lâcher. Hein. Et ta jambe droite.
droite. Bah oui, mais je voudrais appuyer la gauche en même temps. Ah oui, la jambe gauche, elle est t'es assis sur mon bras. J'ai pas le bon, c'est pas si mal, mais... Ton bassin, c'était mieux, par contre. La priorité, c'est de récupérer le maximum de ce que tu peux récupérer au membre supérieur, avant la chirurgie, puis au membre inférieur, viser de la marche. On va te remettre debout, mais quand? Donc progressivement, il faut le faire de temps en temps, ça. Et là, tu vas retrouver les sensations d'appui. Mmh. Il faut pas lâcher. Mmh. Ouais. Je me souviendrai de la partie de Uno qu'on avait faite. Je me rappelle le résultat. Elle était toujours triste. Elle rigolait jamais. En plus, elle me l'avait dit qu'elle allait se foutre en l'air. J'ai rien compris, moi. Moi, je sais bien comme j'aurais dû comprendre, quoi. Je veux dire, elle s'était jetée sous un tram. Elle m'avait dit, la prochaine fois, je sais comment faire. Moi, j'ai même pas réfléchi. J'aurais dû me douter, je veux dire. Je sais pas, quoi. Enfin, je m'attendais pas à ça. Putain, faut être courageuse de se jeter d'un train, je veux dire. Non, c'est pas du courage. Et du désespoir. Ouais, c'est vraiment le désespoir à tout prix, quoi. Je sais pas quoi dire, j'aurais pu passer par là, moi, t'imagines, quand j'ai sauté du pont de Permis. Ah, bah oui. Ça aurait été la même chose, j'aurais pas réfléchi, je me serais jeté sous le train. C'est pour moi qui aurait pu t'en empêcher. Hein. Ben non. Ouais, mais t'as beau avoir un suivi psychiatrique, si la personne est décidée, tu pourras rien faire. Elle n'en pouvait plus, voilà. Elle a eu l'agression comme moi, une agression sexuelle. Elle n'en pouvait plus, elle n'a pas réussi à surmonter. Mais je la comprends dans un sens, je veux dire... moi, je serais plus là à l'heure actuelle, hein, si j'avais une personne. Johanna, c'est pour toi que je suis là. Je te rends un dernier adieu, un dernier hommage. T'as été très courageuse de faire ce que t'as fait. J'espère que justice sera faite, que ton agresseur sera puni malgré que t'es plus là. Et j'espère que tu croyais au paradis, que tu seras au paradis. Et que tu veilleras sur nous, sur moi, sur tout le monde. Tu seras un peu mon ange gardien. À bientôt. En Alaska, la Java des koalas, ça serait bien ça. Coucou. Comment te sens-tu, Bastien, aujourd'hui? Bah, ça va. Je vais recevoir la greffe de mon frère. Waouh, ça va servir à quoi, ouais? Pour aider que ça détruise les cellules folles. Détruise les cellules folles, t'as dit? Ah, c'est une bonne façon d'expliquer ça. Ratatine, fais de la chair ratatée. On va te faire ratatiner ces cellules complètement barjoues. Leur crever les yeux. Voilà. Je peux prendre une photo? Mais si tu veux, camarade. Et t'as remarqué, on a sorti une nouvelle gamme cette année. C'est la gamme des Charlotte Bleue. L'année dernière, elles étaient vertes. Ah, tu veux les chaussons? Tiens, on met les chaussons aussi. Non, parce que ça, c'est pas mal. Attends. Et dépêche-toi. Bonjour. Là, regarde. Attends, je vais faire une gauche des globules blancs. De tes globules. Je vais faire une photo des globules blancs. Tu veux faire une photo de ta greffe? Bah oui, la photo de la greffe. Ouais. Ça y est. Puis ton petit frère va bien. D'accord. Voilà. Très bien. Hein, c'est ce que nous a dit Fanny, que Théo va bien. Dedans, il y a toutes les cellules de Théo qui vont venir remplacer tes cellules. Ce qui nous intéresse, c'est les petites cellules. Les blancs. Ouais, et surtout les cellules, tu sais, les cellules qui sont comme des petits bébés et qui vont fabriquer plein d'autres cellules. Les bébés. Qui vont aller se mettre dans ta moelle osseuse. Alors, 5, 4,
3, 2, 1. Partez. Ça coule, ça coule, ça coule. Faut que ça soit bien rouge, hein. Ouais. Je suis restée qu'un enfant qui aurait grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman qui me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. D'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie qu'on est resté des mômes au fond de nos deux abris. Hey. Je dis soleil, hop là, hop là. Je dis soleil, yeah, yeah. On veut du soleil, oui, je dis soleil. Bien dans les sous-bureaux, elle a bien vu la Saint-Vierge. Pourquoi? Pourquoi il y a Raquel? Alors, bien dans les sous-bureaux, il faudrait qu'elle soit enfermée en psychiatrie, peut-être aussi. Je dois partir. Monsieur Dumoulin, c'est dommage de partir. Ça va, ça va. Ça va. Vous dites ça va, monsieur Dumoulin. Mais vous vous mettez jamais à ma place, vous autres. C'est pas vous qui souffrez. C'est pas vous qui êtes enfermé en forme d'isolement et avec des bras tordus et tout, et des piqûres dans les fesses. Et j'ai plus d'émotion, ça vient pas de ma maladie, ça vient du traitement. J'ai plus d'émotion. Et ma sensibilité qui est altérée, ça vient pas de ma maladie, ça vient du traitement. Vous avez des piqûres bien trop fortes, bien trop violentes. Alors, et depuis que j'ai pas de piqûres, je vais mieux, je dors mieux la nuit. Vous regretterez, je vous dis. Vous allez faire mieux, parce que jusque-là, ça allait mieux. Hein? Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai le sentiment de toujours avoir échoué. En tout cas, il nous semble, vu de l'extérieur, que ces dernières années, vous avez fait beaucoup d'efforts pour vous faire échouer. La question, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous et est-ce qu'on peut quelque chose pour vous? Moi, je ne sais pas si on va pouvoir vous accompagner. Je ne sais pas si vous allez nous laisser vous accompagner. Pour l'instant, vous avez beaucoup utilisé votre maladie pour refuser tous les projets dans lesquels on voulait vous faire rentrer. Oui. OK. Donc moi, actuellement, je n'ai pas d'idée particulière pour vous. Oui. Vous connaissez ce qu'on peut mettre en place. Vous savez ce qu'on peut. Actuellement, vous êtes hospitalisé. Cette hospitalisation ne durera pas éternellement. Maintenant, c'est vrai que si vous continuez comme ça, monsieur Blanchet, je crois que c'est clair, vous allez finir par vous retrouver sans domicile fixe, clochard à la rue. C'est peut-être ce que vous êtes en train de jouer. On en serait désolé pour vous, mais on ne pourra pas éternellement l'empêcher. Parce que vous êtes un être humain, parce que vous avez une marge de liberté, parce que nous sommes des êtres humains, que nous avons nos limites. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi je sais pas, je vous l'ai déjà dit, hein, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. On vous a déjà proposé beaucoup de choses. Maintenant, c'est vous qui nous direz ce que vous voulez concrètement ou pas. C'est vous qui choisissez. Non, monsieur. Monsieur Guilbeault, nous sommes en entretien. Vous nous laissez, s'il vous plaît. Bon, allez. De toute façon, sortir, là. Globalement, on avait fini, monsieur Blanchet. Oui. Peut-être ouais. Que monsieur Guilbeault nous rappelait juste l'heure. Ouais. Voilà où on en est. Je n'ai pas d'idée particulière. Je sais ce qu'on peut faire. Je sais ce qu'on ne peut pas faire non plus. Et je vous renvoie la balle.
D'accord. D'accord. Au revoir, monsieur Blanchet. Au revoir, monsieur Lafay. Au revoir. Mais lâche pas tes mains, hein. Fais pas comme moi. Hein. Eh, c'est bien là, il peut monter les trottoirs, on va faire ça tout raison. C'est bien, tu reprends là. Ok, t'as essayé? Allez, hop. Bouge pas tes jambes, bouge pas tes jambes là. Concentre-toi maintenant, regarde, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Voilà, tu te concentres bien, tu fixes un objet, ok, au sol, par exemple. Fixe, écoute-moi bien. Fixe un objet au sol, ok, concentre-toi, tu lâches pas les mains. Ok, tu vas te concentrer pour garder l'équilibre. Ce qui est dur pour une personne qui a vécu comme vous, jeune, dynamique, faire beaucoup de choses, avoir un accident en une fraction de seconde et que la vie bascule très très vite, ce qui est dur, c'est de savoir qu'on n'est plus, plus indépendant, on est dépendant de tout le monde. Moi, personnellement, je pense toujours à ma vie d'avant, comment j'étais dynamique, comment je me trouvais belle, comment je portais des talons, comment j'étais assez sexy comme femme. Mais pour moi, c'est très dur, je suis encore très fragile. Donc, il faut beaucoup de patience et du temps, c'est clair. Avant, je ne bougeais rien du tout, ni les bras, ni les jambes. Donc maintenant, ça fera quand même presque 10 mois que je suis ici. Donc, je bouge quand même ma jambe, celle-là, ma rotule bouge, mon muscle de ma cuisse bouge, ma hanche aussi, mon fessier aussi. Si la gauche récupère comme la jambe droite, je marcherai. Mais je ne marcherai pas comme vous disiez, sauter, danser, faire tout ça, quoi. Ça serait avoir des béquilles de temps en temps à la maison, mais avoir quand même mon fauteuil pour faire des trajets un peu plus longs, par exemple. Ça me plairait de vivre un peu comme ça dans ma maison, avoir des béquilles, mais être debout, quoi, avoir la sensation d'être debout. À votre accident, vous êtes la seule à être handicapée ? Oui, ma fille n'a rien eu et mon amie n'a rien eu du tout. Et moi, j'ai pas eu du tout de sang. J'ai eu juste, en fin de compte, le coup du lapin. C'est tout. J'ai toujours dit, je vais essayer de réussir pour ma fille et pour Christophe, mon ami. Voilà. Et en fin de compte, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je sois égoïste. D'abord, il faut que je pense à moi. À moi, parce que quoi qu'il arrive un jour où je me retrouve toute seule, il faudra bien que je me débrouille toute seule. Alors pour finir, moi j'aimerais qu'on puisse dire un mot. Mais un mot très court. Voilà, tu qualifierais tout ce que tu as entendu d'Orlan. Sympa. Sympa. C'est bien qu'ils prennent ça comme ça, quoi. Oui. Super. Super. Courageuse. Courageuse. Magnifique. Magnifique. Bien. Comment ? Bien. Bien. Son sœur ? Sourire. Sourire. Super bien. Super bien. Gentil. Gentil. Plus fort. Faut que je fasse des bises, alors. Extraordinaire. Extraordinaire. Elle est heureuse de vivre. Heureuse de vivre. Ouais. Positif. Positif, professeur ? Je dirais volontaire. Volontaire. Sexy. Sexy. Merci. Généreuse. Généreuse, tu cherches ? Canon. Parfaite. Parfaite, voilà. Belle. Belle, voilà. Fantastique. Fantastique. Et extrêmement forte. Imaginez 10 ans que j'ai détruit. Je deviens folle en imaginant ça, quoi. S'ils me foutent en l'air alors que la vie est trop belle, quoi. Ah, maintenant, tous les moments, je les prends, quoi. Les bons moments, même s'il y a des mauvais moments, mais c'est comme tout le monde, je veux dire. Il y a des petits soucis, mais on le résout, point final, quoi. Je veux dire, j'ai besoin de personne pour le résoudre. Je le résous moi-même, ou avec ma tutrice, ou avec... je veux dire, je vais pas me foutre en l'air parce que j'ai un petit souci, maintenant, c'est fini, tout ça, quoi. Je veux dire, après le procès, ma parole, c'était surtout le procès. Après le viol qui m'a foutu en l'air, je voulais me détruire et tout. Je veux dire, ma parole a été reconnue pour une fois. Je revis, quoi. Je veux dire, je revis, quoi. Moi, je suis sûre que maintenant, je m'en suis sortie. Et je suis sûre que maintenant que je suis dans un monde d'adultes, il n'y aura pas de rechute. Parce que j'ai pas envie, d'une part. Je me dis que j'ai fait 10 ans de psychiatrie. De toute façon, vous auriez le droit de rechuter. J'aurais le droit, oui. Mais non, je suis plus dans... J'ai vraiment plus envie. Mmh.
Monsieur Guilbeault. Monsieur Guilbeault, vous attendez. Non, c'est Annelise qui dit. Annelise, voilà, c'est elle qui a acheté. Je vais te... Non. Allez, hop. Je fais mon pot de départ pour ceux qui veulent venir. Attends, deux secondes. Louis, faut attendre, c'est Annelise qui... Non, il va en avoir, mais c'est Annelise. Viens prendre le goûter. C'est Annelise qui donne. Donc voilà, je fais mon pot de départ. Donc j'ai pu revenir ici en temps séquentiel, j'ai fait pendant un an et demi. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, c'est terminé. Je suis pratiquement guérie, en espérant ne plus revenir ici. Et je souhaite à tous et à toutes de faire comme moi, de suivre le traitement et d'arriver à faire ce que j'ai fait. Voilà. On peut se dire qu'en psychiatrie, on peut s'en sortir. Souvent, on se dit dans le milieu ordinaire que la psychiatrie, on ne peut pas s'en sortir. Alors que c'est faux parce que moi, j'ai fait 10 ans de psychiatrie et maintenant, je m'en sors. Voilà. Bisous. Tu vas me manquer. Un autre. T'es content que je parte ? Ah oui. Je vais réussir, tu vas voir. Ouais. Toi aussi. Ouais. Je crois en toi. Ah. C'est super ce qu'on a fait. Enfin, ce que tu as fait surtout. Ce que l'on a fait, on l'a fait ensemble. Ouais, bien sûr, mais. Et comme je te disais, maintenant, moi, le petit doute, c'est d'essayer de l'emmener le plus loin possible. Quoi. Mais ça, ce petit doute, tu le laisses de côté et puis on verra. Ah oui, bien sûr. Mais à chaque jour suffit sa peine. C'est comme ça. Hein. C'est bizarre, je regarde le soleil, je ne me brûle pas les yeux. Moi, je vois le soleil d'en face, j'ai pas les yeux brûlés. Je regarde en face, en plus. Il y a quelqu'un dans le soleil. Ça y est, enfin, on y est. Le stage de fin de première année, on ne sait rien faire. C'est difficile de trouver sa place. Votre place, vous allez la trouver davantage en deuxième année, surtout au cours de la progression que vous allez avoir. Vous allez voir, on ne progresse pas tout à la même vitesse. Mais pas de panique, vous allez y aller tranquillement et ça devrait rouler. Tiens, allez, redresse-toi comme ça et tu te tiens. Allez, tu tiens. Tu ne plongeras pas, t'inquiète pas, il y a Fabienne. Allez, devant. Je ne veux pas te voir. Non, devant. Je ne veux pas te voir. Super. Voilà. Allez. Vas-y. C'est bien, ça y est. Tors tes épaules, ça va te... stimulé. Ça va? On ira tous au paradis, même toi. Comprends-tu qu'on n'y voit pas? Ira. On ira tous au paradis, même toi. Et que même si l'amour est porté, ce n'est que voir que l'amour. Il y a des choses à faire pour les enfants. Il y a tant de choses à faire pour nous. Te donner du cœur.